ce projet vise à aider les communautés à travers les partenariats société civile, acteurs politiques, institutions étatiques à identifier à l'avance les conflits qui seraient liés à ces processus, à ces jeux électoraux et à y apporter des réponses à travers la plateforme. Mes attentes par rapport à cette formation est qu'à la sortie de cet atelier, que je chasse dénicher tout signe de violence et que je puisse apporter une approche de solution pour pouvoir éviter les cas de violence dans les communautés. Mes attentes en tant qu'acteur politique et en tant que défenseuse des droits de l'homme et de renforcer mes capacités dans le cadre de la collecte des informations, dans le cadre des techniques de règlement des conflits, dans le cadre de la collecte et de la prévention des informations en vue de pouvoir prévenir les conflits pré-électoral et post-électoral. On a organisé cet atelier pour renforcer un peu les capacités des gens en termes d'abord d'alerte, c'est quoi l'alerte précoce, comment il faut collecter des informations pour dans un système d'alerte précoce, comment il faut analyser ces informations et quand on a les informations, quelles sont les dispositions qu'on peut prendre pour donner une réponse au conflit. Ensuite, donner les outils nécessaires pour pouvoir analyser un conflit avant de pouvoir faire face. Maintenant, on a cherché à savoir pourquoi analyser un conflit. On essaie de savoir pourquoi analyser un conflit, n'est-ce pas? On a utilisé ça comme un outil qui nous permet d'analyser un conflit. On analyse notre conflit, on a des informations dans notre logiciel. Ces deux jours de formation étaient, comme nous l'avons souligné hier matin, une réponse à la demande des membres des plateformes de voir leurs connaissances augmenter dans la gestion des systèmes d'alerte précoce et de réponse rapide. Également, un rappel sur les principes généraux liés à la résolution des conflits. J'espère que cette formation a permis effectivement de répondre à cette demande, à cet appel de la société civile et que les différentes connaissances qui ont été transmises ont permis d'augmenter les capacités des participants et que, à partir de cela, je ne dirais pas qu'ils vont s'engager, mais je veux dire qu'ils vont continuer à s'engager puisqu'ils étaient suffisamment engagés dans le monitoring des violences possibles et des violences effectives, dans le monitoring des signes précurseurs des violences liés au processus électoral, pour nous permettre, avec l'appui du ministère et des différents départements, de trouver des solutions très rapidement, aussi bien à la base qu'au niveau institutionnel étatique, afin que le processus électoral demeure une opportunité pour cimenter la paix et la cohésion sociale parmi les citoyens, puisque c'est aussi ça un des objectifs ultimes de la démocratie. Avec ce partenariat, il est important déjà de commencer et d'essayer d'accorder une plus grande importance et une veille particulière aux indicateurs de violence afin d'en atténuer les conséquences qui sont toujours dramatiques pour nos concitoyens et pour l'ensemble de la société guinéenne. C'est pourquoi je salue ici cette initiative de la mise en place de cette plateforme sur les alertes précoces et les réponses rapides. Je salue surtout cette volonté des membres de cette plateforme de rester déterminés à soutenir afin de jouer effectivement dans la société guinéenne à travers les différents acteurs, leur rôle dans le processus de pacification démocratique de notre pays et de sa société. Je m'attends à ce que la formation qu'on a donnée ici soit appliquée à l'alerte sur le terrain, c'est-à-dire il faut que ces organisations ici présentes soient capables, au sortir de cette formation, de pouvoir analyser, d'abord de pouvoir alerter les conflits à la base, pouvoir les analyser et trouver des solutions idoines pour que le pays vive en paix. Dès mon retour, n'est-ce pas, en tant que chargé de projet de l'Association nationale pour la paix,
nous allons organiser, n'est-ce pas, des séances de restitution, de partage, de mise à jour, n'est-ce pas, que je veux plus tard appeler renforcement de capacités au niveau de tous les observateurs, les animateurs, n'est-ce pas, de ANP, pour mieux renforcer leurs capacités dans le cadre de l'alerte précoce et de réponse rapide. Dès aujourd'hui, je m'engage à multiplier cette œuvre dans ma localité, dans mon quartier, mais aussi au sein de ma formation politique. Et demain déjà, j'envisage faire une restitution au sein du bureau exécutif des 2 jours de travaux que nous avons eus et je ferai la même restitution devant l'Assemblée générale des militants du PDN, du Parti de l'Espoir pour le Développement National. D'abord, c'est de partager les connaissances que j'ai reçues ici, puisque je suis journaliste dans mon média, partager d'abord avec mes collègues pour qu'ils soient au même niveau d'information que moi, pour qu'ils puissent eux aussi, à leur tour, pouvoir détecter les conflits, peut-être pouvoir les gérer avant qu'ils ne dégénèrent. On ne peut veiller sur les intérêts de la société que lorsqu'il y a la paix. Et cette paix, nous devons la prévenir et nous devons la conserver par tous les moyens. Donc, cette information, je vais la partager non seulement avec tous les autres acteurs de la société civile, afin qu'eux aussi, à leur tour, soient outillés de techniques pouvant détecter à temps les conflits pour pouvoir les gérer.